Alors bonsoir, Shalom ITS, j'espère que vous allez bien. Si l'on m'entend parfaitement, que l'on me fascine. Dieu vous bénisse. Alors, je suis très heureux d'être là ce soir parmi vous. Je suis très content. Que Dieu vous bénisse également pour votre présence. Et que Dieu vous garde. Nous sommes en train d'aller à la fin de nos moments, du mois de janvier. Et le Seigneur est en train de nous faire énormément de bien. Il nous reste pratiquement 3 jours avant de rentrer dans février. Il nous reste 3 jours en souffrant encore pour certaines personnes dans la janvieuse. Il reste 3 jours. Donc, détrompez-vous, janvier n'a pas 48 ou 42 jours, il n'en a que 31. Donc, j'espère qu'il y a des gens qui n'ont pas pleuré durant ce mois de janvier. J'espère qu'il y a des gens qui n'ont pas pleuré. Janvier n'a que 31 jours. Et vous savez, c'est un mystère ce mois de janvier. C'est tout à fait vrai. On a l'impression que c'est le mois le plus long de l'année. Pourtant, il a 31 jours comme d'autres mois, je crois décembre, je crois mai aussi ou avril. Ils sont 31 jours également. Mais quand on arrive au mois de janvier, c'est comme si les 31 jours du mois de janvier étaient. On a l'impression que janvier a 52 jours, que janvier a 42 jours. Il paraît tellement long ce mois. Mais vous savez, dans la représentation symbolique du mois de janvier, janvier est représenté par un dieu, si je ne m'abuse et si je ne me trompe, qu'on appelle janvier, quelque chose comme ça. En tout cas, disons janvier. Voilà, c'est un dieu. C'est un dieu qui a deux faces. Et l'une regarde vers le passé et l'autre regarde vers l'avenir. Et remarquez que, faites le constat avec moi. Soyez analytique. Ne prenez pas tout. C'est pas parce que je suis prophète, je vous dis, vous prenez tout. Analysez. Enfin, un constat. Moi, j'ai remarqué, peut-être vous ne l'avez pas remarqué, que la plupart du temps, quand on est dans le mois de janvier ou d'autres, malgré les bonnes années, les souhaits qu'on peut se donner, se souhaiter, on n'est pas réellement conscient qu'on est quitté d'une année à une autre. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Parfois, quand on est dans le mois de janvier, on a tendance encore à revenir à l'année précédente. On a l'impression que c'est comme si on est dans l'année qui est passée et dans l'année qui est à venir. C'est mon ressenti, c'est mon impression. C'est mon impression, je peux me tromper. Les impressions peuvent être diverses. Quand je m'assois, j'examine ou j'essaie de regarder un peu dans l'esprit, on a l'impression que le mois de janvier, c'est comme si c'était un mois à part. C'est-à-dire, on a fini une année, on attend une autre année, en attendant, on est dans le mois de janvier. Et remarquez que c'est quand on rentre en février que l'on sent réellement que wow, on est dans une nouvelle année. Je suis le seul à avoir fait le constat. Merci.
Suis-je le seul à avoir fait ce constat? C'est dû à quoi? La question qu'on se pose, c'est dû à quoi? Et l'homme, regardez, vous allez voir beaucoup rentrent dans la janvier, la nouvelle année, avec les problèmes, les inquiétudes de l'année précédente. Beaucoup y rentrent avec. J'ai aimé ce que ma fille Aura a dit. Janvier est un mois de transition. L'année commence sur la base du calendrier grégorien. L'année commence réellement en février. Bon, elle a commencé en février. Elle a commencé en février, en janvier. Mais c'est pas vraiment ça. En janvier, il y a des pleurs. En janvier, il y a des gens qui regrettent, excusez-moi, hein, les gourmands de 2022. Tu es là, tu as tes pensées, Seigneur. On m'a plaqué. On m'a volé. Les déceptions. Janvier, là. Tu es beaucoup dans les déceptions, les inquiétudes. Merci. Les inquiétudes, les déceptions, les séparations, les regrets. Janvier, c'est surtout le mois, les deuils, merci. Surtout le contexte amoureux. Janvier. Oh! Parce qu'en décembre, il y a eu la fête et tout. Séparation. Janvier, gourmet sur gourmet. Déception amoureuse. Regret sur la base des actions. Janvier, vous allez voir, comme a dit quelqu'un, les décès. Les jeunes filles tombent enceintes. Janvier, vous allez entendre les folies ici, les folies là-bas. Parce qu'en fait, le mois, je sens que je dois vous enseigner sur ça. La divinité qui influence ce mois-là crée l'instabilité dans la vie des personnes dans ce mois. Parce que cette divinité a deux faces, le passé et le futur. Elle crée instinctivement une instabilité dans la vie de tous les membres qui sont en son sein. C'est ainsi que les hommes ont tendance, dans ce mois, à regarder soit derrière, soit devant. Il y a une instabilité émotionnelle en janvier. Je ne vous conseille pas de le faire, ce n'est pas recommandé. Mais ce que je dis, même ceux qui consultent les histoires de l'astrologie, d'abord, il y a une différence entre l'astronomie et l'astrologie. L'astronomie, c'est une science qui étudie les étoiles et tout, et tout, et tout. C'est une science. Or, l'astrologie, c'est une science aussi, mais c'est une science occulte qui parle de la consultation, la divination. Et la Bible dit, Dieu est contre ça. Je parle beaucoup pour nos amis qui sont en France, dans les pays européens. Oh, moi, je suis lion. Moi, je suis capricorne. Moi, je suis taureau. Moi, je suis... Si c'est bien, aussi vierge. Hein? Moi, je suis vierge. Si c'est vierge ou quoi. En tout cas, je ne connais pas trop. Moi, je suis scorpion. Moi, je suis... Je ne sais pas. Hein? Oh, éléphant. Moi, je suis rat. Moi, je suis serpent. Bon, je ne sais pas si ça existe. Moi aussi, je suis balance. Mais il y a tellement de choses. Et ces choses-là, en fait... Ah, on doit enseigner ça à l'église. On doit enseigner ça à l'église. Pourquoi Dieu dit de ne pas consulter ces choses? On doit vous enseigner ça. On doit vous enseigner ça.
et on va enseigner ça à ITS. Vous allez comprendre. Ces choses disent la vérité. Bon, ils disent ce qui est vrai. Ce qu'ils disent est vrai. Voilà, pas qu'ils disent la vérité. Parce que dans un sens, une chose peut être vraie, mais elle ne veut pas forcément, ou elle n'est pas forcément la vérité. Il y a une différence entre ce qui est vrai et la vérité. On va en venir un jour. Mais la Bible déclare que nous ne devons pas consulter ces choses à cause des entités spirituelles qui sont derrière. Et vous verrez, la plupart, selon mon analyse, la plupart des personnes qui sont nées en janvier sont des personnes quelquefois émotionnellement instables, la plupart du temps. Ce sont des personnes sanguines. Elles sont chaudes. Elles sont parfois émotionnellement instables. Parfois, elles ont tendance à revenir derrière. Quand elles veulent avancer, elles reviennent derrière. Elles font des pas en avant, elles reviennent derrière. La relation qu'elle a dit, c'est fini. Quelque temps, elle avance. Après, à un moment donné, elle revient sur ça. Les choses qu'elle veut abandonner, à un moment, elle avance. Après, elle revient. Je ne dis pas toutes les personnes. Je dis la plupart. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés en janvier ici? Il ne faut pas avoir honte. Dieu des esprits des prophètes, nous te bénissons et nous t'ovationnons. Merci pour ces moments, merci pour ces temps, merci pour ce culte. Puisses-tu nous faire la grâce d'être avec nous ce soir et de nous accompagner durant ces moments. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons et nous te remercions. Au nom de Jésus, amen. Alors ce soir, je voudrais vous parler sur une thématique particulière qui fait objet de notre propos depuis quelque temps. Je suivrai juste, je vais simplement suivre l'enseignement. Et je voudrais déjà terminer avec celui-ci. Je ne serai pas très long ce soir, selon mon planning. Moi, ce que l'Esprit de Dieu nous amène autre part. Église, nous avons parlé de beaucoup de choses durant ce mois et peut-être durant les 3 jours qui restent, je vous dirai encore des choses. Nous terminons le 31, nous sommes aujourd'hui le 28, il nous reste 3 jours. Le 31, nous nous verrons à 23h30. Je prierai pour vous à cette heure-là. Je parlerai sur votre année 2023 à cette heure-là. Et vos bouteilles d'huile et vos chandeliers. 23h30, sinon 24h logiquement. Donc 23h30 du Sénégal, il y aura 24h du Gabon, 24h du Sénégal et un peu partout. On va s'accorder là. Si on dit 24h, ce sera un peu très avancé dans certains pays. On va se voir pour 30 minutes, maximum 1 heure, mais sinon 30 à 45 minutes, je prierai pour vous. Connectez-vous tôt le 31 afin de ne pas manquer ces moments. Alors, j'insiste encore sur un point, sur une chose. La réussite de cette année, la réussite de ton année, ne dépend plus de Dieu, n'est plus entre les mains de Dieu, mais elle est entre tes mains. Dieu m'a fait la grâce de t'enseigner durant toute cette année afin que tu aies des rudiments nécessaires qui vont te permettre de grandir, d'atteindre une haute dimension spirituelle. Et en tant qu'être spirituel, esprit que nous sommes, vous devez comprendre que scientifiquement, il est dit qu'une chose devient une habitude
Dès lors, on la répète plus d'une fois, plus de 6 fois en un jour. Quand tu répètes une chose plus de 6 fois en un jour, cette chose s'incrémente dans ton sang, dans ton esprit, et crée ce qu'on appelle de nouvelles habitudes. ITS, ce que je dirais vous fera peut-être mal, ou à certaines personnes, c'est la priorité. Tout ce que j'ai eu à enseigner, et tout ce que j'enseigne, ce qui est vrai, c'est que tout le monde ne va pas pratiquer ça. Ben, c'est vrai. Hein? Donc, beaucoup de personnes ont dit des amen ici, mes alléluia, les je reçois, mais beaucoup ne vont pas pratiquer. Seulement ceux-là qui seront constants et qui vont pratiquer vivront. Dans la spiritualité, il y a la foi, il y a la prière. Mais écoutez les amis, ceux qui impactent et qui grandissent, ce sont ceux-là qui sont constants. Ouais. C'est la constance qui nous différencie. La constance. Donc, cela ne suffit pas seulement d'écouter des enseignements et de dire Alléluia, Amen, d'écouter des messages et de crier Je reçois, mais il en va des habitudes hebdomadaires que vous avez. Quel genre d'habitude as-tu? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend ici? Yes, Daddy, on peut vous. D'accord. J'aime quand ma fille Céphilia crie Amen. Ma fille, depuis quelques temps là, je ne t'entends pas crier Amen. Amen, papa. J'aime ça. Que Dieu te bénisse. Je suis avec toi là-bas. Alors, vous devez comprendre ces choses. Regardez. Allons-y en sport. Vous allez vous rendre compte que dans le monde de l'athlétisme, une personne devient performante quand elle pratique. Pour la petite histoire, dans ma carrière, j'ai fait de la gym, j'ai fait un peu de sport, j'ai joué au ballon, j'ai voulu me lancer dedans. Mes parents ont refusé. J'ai fait du basket, j'ai voulu me lancer dedans. J'étais pratiquement embauché, pratiquement intégré dans un club. Mes parents ont refusé et nos parents du Gabon. J'ai fait le hand, les parents ont refusé. Pour ceux qui se connaissent, Mouila, mon coach, c'était le monsieur Akoué. Monsieur Akoué, c'est l'un des coachs de renom au niveau de Mouila. C'était lui aussi mon professeur en 6e, en 5e, prof de gym. Et pour la petite histoire, j'étais toujours l'un des meilleurs en gym dans ma classe. Je crois qu'il y a des réflexes qui sont restés. Et il voulait me prendre dans son club de gym. À un moment, je l'ai le connu. Il est fin, très dur de propos, mais un très bon prof. Monsieur Akoué. Et waouh, j'ai toujours son nom dans mon esprit. Et il m'a pris en 6e, il m'a pris en 5e. Comprenez-moi très bien. De nature aimant le sport et aimant surtout la gym, j'aimais beaucoup la gym. Aujourd'hui, je ne peux plus faire des grands écarts. Avant, j'en faisais. On flippait un peu, on faisait un peu certaines choses. L'une des choses qui apporte une certaine souplesse au corps, c'est la pratique régulière de certaines activités. Par exemple, là, si je dis à certaines personnes, faites un pont, faites un grand écart, beaucoup vont crier ici, que, c'est dur. Ou bien beaucoup vont voir les pieds ou les... choses qui vont se casser ici, se couper ici. Or, si on commence à pratiquer ces choses, exercice par exercice, c'est-à-dire chaque jour, c'est-à-dire
Par exemple, pour faire un grand écart, c'est très simple et c'est très facile. Écoutez-moi très bien. Écoutez très bien. Il te suffit de prendre 5 minutes ou 10 minutes chaque matin. Tu t'assois en position comme les Chinois et tu écartes légèrement les pieds, pas très fort, très doucement. Tu le fais pendant une semaine. Tu vas commencer à étirer les muscles des cuisses petit à petit. Donc, tu fais des petits exercices comme ça pendant une semaine, deux semaines, fréquemment. Ça va développer une certaine souplesse au niveau de tes articulations, au niveau de tes cuisses. Il y a Zoé qui dit elle le fait. Elle le faisait. Donc, ça va développer une souplesse. Et après, à un moment donné, tu peux commencer un grand écart. C'est-à-dire tu tends un pied et l'autre pied fléchit. Tu peux commencer un grand écart, c'est-à-dire vers l'avant, pas latéral, mais horizontal. C'est le plus facile. Au fur et à mesure, tu verras que tu vas développer des activités, une souplesse que d'autres n'ont pas. Mais cette souplesse ne sera présente que si tu associes la constance. Un autre exercice. Pour ceux-là qui veulent développer, est-ce que je peux parler ici? Oui, papa. Bon, je vais vous aider. Je vais vous aider. Je vais aider les femmes. Et je vais briser une mentalité chez les femmes. Permettez-moi de parler ce que je dirais. Et un peu, comprenez mon langage. Chez les Africains, en majorité, on a tendance à croire qu'après un certain âge, la poitrine d'une femme est appelée à tomber. Quand elle a les enfants et tout, c'est appelé à tomber. C'est vrai. C'est vrai. Mais scientifiquement parlant, vous avez devant vous un scientifique. Hein? Donc, d'où je vous enseignerai bibliquement, et je vais toujours faire un parallèle avec la science. Scientifiquement parlant, la poitrine, quand je dis la poitrine, je parle des mamelles. La poitrine d'une femme est composée à 90 ou 100% des muscles, hein, et quelque chose qu'on appelle, c'est des fibres et tout, depuis la profondeur jusqu'à l'extérieur. C'est juste des muscles. C'est prouvé scientifiquement. Or, ces muscles-là, sans exercice, peuvent prendre, en fonction de la morphologie de la femme, parce que là aussi ça dépend, une orientation. Oui. Il y a des femmes qui ont une morphologie particulière. Oui. Je me garde de rentrer dans les détails. En fonction de la morphologie, la poitrine de la femme prend une certaine direction. Il y a pour d'autres, ça regarde midi, d'autres, ça regarde 6 heures, d'autres, c'est 12 heures. D'autres, donc, c'est comme ça. En fonction de la morphologie. Maintenant, celui qui vous passe un scientifique, on n'étudie pas que la Bible. Oui. Et c'est ça qui tue beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui. On revient. Donc, il y a ce qu'on appelle des exercices qui permettent à la femme, quel que soit son âge, d'avoir une poitrine toujours intacte. C'est drôle. C'est quel prophète qui parle comme ça? Je vous conseille. Là, je parle comme un père. Donc, quels que soient les accouchements, il y a des choses, il y a des massages avec des huiles, mais il y a aussi des exercices. Scientifiquement, il est prouvé qu'une femme qui fait des exercices et qui travaille son abdomen, un, corrige sa posture. Donc, elle aura tendance à avoir une posture un peu plus ouverte. Donc, au lieu qu'elle soit courbée, elle sera plus ouverte. Deuxièmement, le fait qu'elle travaille ses abdos, les abdos auront tendance à remonter sa poitrine. Il y a des choses un peu plus profondes que je me garde de dire ici. Peut-être au cadre des patients. Donc, si toi, tu penses
Non, tu laisses ça. D'où il est important, Église, de faire du sport. Il y a beaucoup de nos sœurs. Je parlais avec une de mes sœurs une fois. Elle me partageait son rêve. Moi, mon rêve, c'était entre nous. Non, j'ai toujours rêvé d'avoir un corps guitare. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, tu n'aimes pas le sport? Tu penses que le corps guitare, là, ça va venir comment? Tu achètes et puis tu habilles. Tout est une question de sacrifice et de constance. Il y a des hommes qui veulent avoir des corps faits. On est tous dans l'exemple. Tu ne pourras pas avoir des pectoraux, des muscles développés, si tu ne prends pas le temps de te bâtir. Oh, restons dans le sport. L'avantage de faire du sport, là vous êtes dans la vingtaine, dans la trentaine, même dans la quarantaine, c'est quoi? Le sport solidifie le corps. Le sport ralentit le vieillissement. Le sport accélère la régénération des cellules. Le sport permet une circulation du sang. Le sport crée la discipline. Le sport retarde le vieillissement. Le sport rallonge la durée de vie sur la terre. Sport. Sport. Et ceux qui le pratiquent avec rigueur se doivent d'avoir une bonne alimentation. Si vous comprenez ce que je dis, vous verrez que, on prend un exemple, une personne qui pratique le sport et une personne qui ne pratique pas, les deux ont 60 ans, vous les prenez, tu auras l'impression que celui qui pratique le sport, tu peux même lui donner 40 ans, 10 ans de moins. Celle qui ne pratique pas le sport, tu pourras même lui donner 70 ans. Je connais des hommes qui pratiquent le sport. Il est dans la soixantaine, mais il est robuste comme s'il était encore dans la quarantaine. Je vous dis déjà, faites le sport. Oui, faites le sport. Ne fût-ce qu'une à deux fois par semaine, faites le sport. Cours, travaille le cardio, travaille les formes, faites le sport. Il n'y a pas d'excuse pour ça. Il y a des maladies que vous développez là sur le manque de sport. Je connais un homme de Dieu qui priait, qui cherchait Dieu. Et pendant qu'il était en retraite, il voulait entendre la voix de Dieu. Dieu ne lui a rien dit d'autre. Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui a dit, va faire le sport. Il boudait Dieu et passait par un autre homme de Dieu qui est prophète dangereux. L'homme de Dieu l'a appelé. L'homme de Dieu a dit, je vois que tu es malade. Il dit oui, j'ai du mal à respirer. Il dit oui. Tu penses que ce sont des démons? Il dit oui. L'homme de Dieu a dit, ce n'est pas les démons. Dieu m'a dit de te dire, fais le sport. C'est important. C'est important. Moi, au début, quand j'ai commencé à prêcher comme ça, je ne pouvais pas prêcher une heure. Simplement. Depuis 2020, pour ceux qui me suivaient depuis 2020-2021, après chaque enseignement, comme après là, je respirais le chien. Permettez-moi l'expression. Le chien. Je respire. Juste après avoir prêché. Surtout quand je faisais un service prophétique. Vous qui expirez au prophétique là, ça épuise le corps. Posez-vous la question, pourquoi les hommes de Dieu vieillissent? On a l'impression qu'ils vieillissent plus rapidement. Les hommes de Dieu, ce n'est pas les fidèles. L'esprit suce le corps. L'esprit suce le corps. Et c'est important, en tant qu'être spirituel, de pratiquer le sport. Le sport est aussi important pour la spiritualité. Ce n'est pas ça mon message, hein. Mais on en parle. Il y a quelque chose, il y a une phrase où on dit un esprit saint dans un corps saint. Un esprit saint dans un corps saint. Un esprit saint dans un corps saint. Il y a des gens qui ont des esprits saints, mais dans leur corps ne sont pas saints. Il y a d'autres qui ont des corps saints, mais dans leur esprit n'est pas saint. Il faut jumeler les deux. Dis à quelqu'un, fais le sport. Papa, ma tension.
Tu respires. Va. Hypertension. Fais le sport. Surtout vous aussi qui êtes en Europe là. Vous et moi, ça que nous sommes les Africains. Vous battez prendre les comportements de stress des Européens. Doucement. Une bonne Africaine, tu appelles les gens un peu. Oh papa, je suis stressé. On m'a mal parlé. Hey, on est Africain, mon gars. Les choses de stress là, il faut laisser ça aux autres. Nous, on est Africains. Ça ne nous tue pas. Faisons le sport. Arrêtons de trop stresser. Je vous parle. C'est normal qu'on soit influencé par eux quand on est dans un autre, dans leur pays pendant longtemps. Mais il faut apprendre à s'en débarrasser. Le sport, auparavant, il m'arrivait. Dieu m'a délivré de ça. Non, je vais pas dire ça. Auparavant, il m'arrivait d'avoir des très fortes colères. Et quand ça venait, pour me calmer, je frappais des coups de poing contre le mur. Ça m'arrivait avant. Dieu merci, j'ai été délivré de ça. Et si je ne frappais pas le mur, qu'est-ce que je faisais? Il me fallait aller dehors ou en salle. Simplement faire du sport. Le sport est un moyen qui permet d'évacuer des ondes négatives. C'est important. Quelqu'un qui pratique plus de sport s'énerve, va s'énerver difficilement. C'est important. Vérifie. Si tu es trop tendu, tu t'énerves rapidement, commence à faire du sport. Ça va diminuer ton trop de stress. Tu ne vas plus t'énerver trop rapidement. Ça va t'amener à avoir le contrôle de soi. Si tu le peux, tu peux pratiquer un sport. Pratique du foot, du basket, du karaté. Bon, il y a des gens qui me posent la question, est-ce que le karaté, c'est pratiquer les arts? N'allez pas taper, n'allez pas loin. Pour la santé, pratiquez. Tu veux faire du karaté, tu pratiques, c'est un sport. Tu veux faire la boxe, tu pratiques, c'est un sport. Tu veux faire quoi d'autre? Le kung fu. Vas-y, tu pratiques, c'est un sport. Et si un jour tu marches dans les rues à 24 heures, on veut te braquer, ne te pose pas les questions, Dieu, je fais comment? Frappe la personne et tu avances. Je vous pose une question. Tu sais te défendre. Tu es en train de rentrer chez toi à 24 heures. Tu sais te défendre. Tu sais taper. Un braqueur vient te braquer. Tu es chrétien. Tu fais quoi? Tu vas prier Dieu pour dire Dieu. Ou bien, réfléchissons ensemble. J'ai besoin de vos réponses. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Attendez, le frappe. Ah! Le couteau, David. Je n'ai pas dit les couteaux ici. Il ne faut pas réveiller les esprits des tueries ici, là. Est-ce que j'encourage les esprits des bagarres? Non. On doit enseigner l'Église. On doit enseigner l'Église. Je dis, papa, on doit enseigner l'Église. Papa, mais ils disent ici, attends. Ils disent ici que, le, par exemple, les arts martiaux sont recommandés pour la maîtrise de soi et l'équilibre mental, en fait. On m'a exactement. Même les arts martiaux sont recommandés. Ça permet de se contrôler, ça permet de créer la patience. Les arts martiaux ont des vertus extraordinaires. On ne va pas se leurrer la face. Ça permet de taper aussi. Oui. Donc, tu sauras te contrôler, tu sauras te maîtriser. Si un jour, tu te rends compte que tu es dans un état
soit c'est toi qui meurs, soit c'est la personne. Tu frappes la personne bien frappée. Après, elle accepte le Seigneur. Je vous donne une histoire. Un ancien boxeur qui a été, je crois, il a reçu l'appel. Ancien boxeur. Et un jour, pendant qu'il marchait, je ne sais pas, dans une église, en tout cas, j'ai oublié le contexte, un de ses ex, je crois, compatriotes ou adversaires dans la boxe est venu le larguer. Est venu vraiment le larguer. Venu le provoquer. Et il s'est retenu. Il s'est retenu pendant longtemps. Et la personne n'a fait qu'insister pendant des jours et des jours. Et il s'est retenu. À un moment, il en avait marre. Il a pris cette personne-là. Il l'a bien tapé. Il l'a mis entre ses pieds. Et il a dit à la personne, soit tu acceptes Jésus, soit je te frappe jusqu'à la mort. D'après vous, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accepté Jésus. C'était obligé. Le boxeur a accepté Jésus. Je ne vous dis pas d'aller faire accepter les gens Jésus par la Bastille là-bas. Mais c'est important. Le sport est bon pour l'équilibre mental, l'équilibre psychique, énergétique. Corps de l'homme, c'est important. J'étais en train de vous parler sur la constance. Maintenant, pour être performant dans une activité sportive, il faut la constance. Aussi, pour être performant, avoir une certaine hauteur spirituelle, il faut la constance. Et c'est la constance de quoi? Durant ces moments, je vous ai parlé de la méditation. Vous êtes à ITS, vous êtes enseigné. Il y a beaucoup de choses dont je vous parle ici. Il n'y a pas que la prière, il n'y a pas que le jeûne. Cette année, fixe-toi des challenges. Il y a certaines personnes à qui j'ai dit, envoyez-moi vos objectifs de l'année 2023. Tu dois te fixer des objectifs clairs. Et certains m'ont dit, je dois prier 2 heures de temps par jour. Je dois. C'était beau. Mais le respect de tout ça, le succès ou le secret de tout ça, c'est la constance. Est-ce que tu t'es fixé tes objectifs pour l'année 2023? Qu'est-ce que tu vas faire qui te permettra de dire à la fin de l'année 2023, j'ai réussi mon année? Aussi, pour vous qui êtes mariés, un couple logiquement constitué ne rentre pas dans une année, ça va faire un bilan. Un couple logiquement constitué. Je parle et aux mariés, et aux fiancés, et aux vrais proposés. Pas les proposés compliqués. Donc, vous êtes logiquement constitué. À un moment donné, vous devez vous asseoir pour vous avoir un cahier. Un cahier d'objectifs. Donc, ça, c'est notre cahier des objectifs. Année 2022, comment ça a été? On s'assoit, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Dans notre communication. Ah chérie, tu m'énervais? Ah, quand tu disais ça, ça m'énervait. Ça. On fait un bilan. On doit s'améliorer. Dans tous les domaines, même sexuellement, on doit s'améliorer. Bon, ok. Quels ont été nos projets? Vous devez faire un bilan. Qu'est-ce qu'on veut faire? Bon, maintenant, pour cette année 2023, quels sont nos objectifs communs? Donc, on doit améliorer notre communication, on doit acheter peut-être un terrain ensemble, on doit acheter ça. OK. Quels sont nos objectifs individuels? Maintenant, là, chacun va dire, bon, moi, pour l'année-là, j'ai envie d'apprendre telle voie, développer mon charisme, leadership. Bon, moi, j'ai besoin d'une éducation financière. Ah! Moi, pour l'année-là, si vous avez des enfants, l'année là, nos enfants, bon, on doit quand même les amener un peu, même en France, même en Europe. Bon, on doit quand même les prendre, aller même dans un hôtel, un mois, changer un peu, pour qu'ils aient une mentalité autre. Bon, on doit quand même les offrir même des téléphones. On doit veiller à ce qu'ils puissent. C'est comme ça que vous voyez les autres réussir là. C'est comme ça, c'est le planning familial. C'est les discussions. C'est comme ça qu'on réussit. Oh. Je vous donne les secrets.
Il n'y a pas de formule magique. C'est comme ça qu'on réussit. Chaque année, tu as des objectifs. Bon, quand 2023 va finir, sur quelle base allez-vous vous asseoir pour dire « J'ai réussi mon année ». Hein, Zoé? Sur quelle base? Qui l'a encore? Gabi? Anouchka? Sur quelle base? C'est-à-dire, sur quelle base tu auras la force de dire « Bonne année 2024, bonne année !» Sur quelle base? Or, ton année a été échouée, 2023. Et après, on va encore te dire « Je te souhaite les vœux de paix, finances, prospérité. » Mais tu n'étais même pas assis ou assise afin d'établir les choses correctement. Donc, si tu n'as pas encore fait ton planning, fais-le. Établis. Chaque matin, je dois lire ma Bible. Je dois prier. Ah, deux fois dans la semaine, je dois au moins faire du sport, travailler mes abdos. L'objectif, c'est ça. Ah, je dois faire un commerce cette année. Bon. Entre l'école et ça, bon, à partir de telle heure, je travaille 2 heures par jour. Je fais un commerce. Je vois, ah, comme l'une de mes filles m'a dit, j'étais choqué quand elle m'a dit, oh, daddy, moi, je n'ai pas les projets, les objectifs. Je dis, ah, donc toi, l'année, tu n'as pas d'objectif. Je dis, toi, tu te réveilles seulement, tu vas au travail, tu reviens. Oui. Et il y a des gens comme ça ici. Tu as dit, vous, au lieu que ce soit vous qui on va dire ça comment, qui donnez une orientation à l'année, c'est l'année qui vous oriente. Et après, vous posez les questions, pourquoi ma vie n'avance pas. Pour qu'une vie avance, il faudrait qu'elle puisse avoir des objectifs. Quels sont tes objectifs? Je vous parle là parce que je ne veux pas qu'en 2024, quand je vais poser la question, qui a réussi sa vie, tu me ressortes le langage dans lequel papa, il n'y a que les mêmes choses. Ceux qui disent, père, c'est les mêmes choses, ce sont les gens qui ne font que les mêmes choses. Oui. Les Africains ont un complexe, ont un problème de complexe. Oui. Je me suis rendu compte que les Blancs nous envient, mais nous aussi, on envie les Blancs. On a un problème de complexe. Pour nous, on a pris, non, ces histoires-là, c'est pour les autres. Ça, c'est eux. Nous, en Afrique, c'est comme une fois, une de mes filles m'a dit, ah, papa, planning familial, oh, on fait l'enfant, quand il vient, il vient. Ah bon? Donc, l'enfant, on fait seulement comme ça. Et c'est comme ça qu'après des années, vous avez maintenant beaucoup d'enfants, vous nourrissez, c'est difficile. Les envoyer au travail. Ça se planifie. La vie, c'est la planification. Église, je vous parle. C'est la planification. Pour toi qui n'es pas encore engagé, qui n'as pas encore des enfants, tu planifies. Même si tu es une femme. Voilà, j'ai fait mes études. Bon, à tel âge, je peux déjà commencer à parler relation pour essayer de m'engager. Bon, si Dieu fait grâce, je me marie à 25 ans, 24 ans. Bon, premier enfant, même 26 ans ou 27 ans. Je fais un enfant, premier enfant, 27 ans. Deuxième enfant, même à 29 ans. Donc, si avec ton mari, vous avez planifié 4 enfants, au plus tard, mes 35 ans, on a déjà nos 4 enfants. Et après, on se focus sur les objectifs. Peut-être je veux faire une carrière d'artiste, je veux faire une carrière musicale, je veux faire... On se focus sur ça. Mais c'est planifié. Oui, c'est planifié. Le problème aussi, c'est que parfois, on fait les enfants viennent, on n'a pas d'argent. Parce qu'on ne sait pas planifier. Je vous donne un exemple. Pour une femme qui fait un enfant à 25 ans, mariée, depuis qu'elle est enceinte, chaque fin du mois, elle enlève ne fût-ce que 50 000 qu'elle met dans un compte fermé jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans. Est-ce que vous pensez que quand l'enfant va avoir ses 18 ans, il va chômer, il va traîner?
Il a un compte garnement. Quand l'enfant a 12 ans, 13 ans, la maman l'éduque, lui donne une éducation financière. Parce qu'elle sait qu'il a un compte qu'il devra gérer. Et quand l'enfant atteint 18 ans, la mère lui remet son compte et il sort de la maison parce qu'il connaît déjà gérer les choses. Il sait gérer les choses. 50 000, depuis que tu ton premier mois de grossesse, jusqu'à ce que ton enfant atteigne 18 ans. C'est pas trop, c'est pas beaucoup. Si tu vois que 50 000, c'est beaucoup, fais même 10 000. Fais en fonction de tes moyens. Tu vas te rendre compte que tu vas épargner beaucoup. Zoé, prends la calculatrice. Rapidement. Tu fais, on va prendre un exemple. La femme fait 9 mois de grossesse. Donc, 9 mois là, fois 20, on va prendre 20 000. 20 000 fois 9, ça fait combien? 2 fois 9, ça fait 18. Donc, 20 000 divisé par 9, ça fait combien? 20 000 divisé ou fois 9? Multiplié par 9, ça fait combien? 180. Donc, ça veut dire... 80 000. Ça veut dire en 9 mois de grossesse, la femme a déjà mis 180 000 de côté. N'est-ce pas? Donc, l'enfant naît, l'enfant a un an. Tu fais maintenant 180 là, multiplié par 18, donc de 1 an jusqu'à 18 ans. Ça fait combien? 3 240 000. Oui. Donc, approximativement, quand son fils ou sa fille aura 18 ans, si elle a épargné 20 000 depuis la grossesse, elle aura 3 millions. Et là, c'est le minimum. 20 000, c'est le minimum. Maintenant, si tu peux épargner 100 000, imagine combien tu auras. Donc, ton enfant a 18 ans, tu pourras lui donner 10 millions comme ça. Tu l'as appris l'éducation financière depuis qu'il a même 3 ans. Oui. Il grandit, il sait gérer. Il a la notion de l'investissement et du retour sur investissement. À 18 ans, quand tu remets son compte bancaire, tu seras surpris parce qu'il va te faire des merveilles. La planification. La planification. C'est important. Je vous dis, c'est important. Et on peut mettre ça dans tous les domaines. Ta vie 2023 ne réussira pas si tu ne sais pas t'y faire. Même dans les mariages, je suis tout à fait d'accord. Vous voulez les mariages des rêves, mais vous ne savez pas planifier. Vous ne savez pas vous engager. Oh! Et vous voulez les mariages des rêves. Quand on veut les choses des rêves et qu'on sait qu'on n'a pas l'argent, on arrête de rêver. C'est vrai. Et comme dit ma fille, tu imposes à toute la famille, tu comptes sur les cotisations des gens et après c'est les faire pas. Logiquement, dans les mariages, c'est pas faire pas. Tu dois envoyer billet d'invitation. Son Altesse, telle et son épouse, sa future épouse, vous invite à prendre part à un repas ou une cérémonie de mariage. C'est beau, c'est respectable. Mais toi, c'est que les faire pas. Et quand on ne répond pas au faire pas, tu te fâches. C'est pas bon. Et c'est là où on vous envoûte les mariages, ne les fait pas. Si tu es DTS, organise-toi. Dieu est là, planifie. Ne fais pas les mariages où tu comptes d'abord sur les parents. Ne t'engage pas dans les choses, tu comptes sur les oncles, sur les tantes.
Ah, là, il n'y a plus les amen. Amen, papa. Il n'y a plus les amen. Hein. C'est important, Église. Église, écoutez-moi très bien. Shidigla, Idivado, Shom, Medegli, Vahadadia. La réussite se planifie. La réussite se planifie. Je vais essayer de me battre à rentrer dans mon message de ce soir. Je vous ai parlé sur les psaumes. Pour voir la puissance et l'effectivité de tout ce que je vous ai dit, c'est la pratique, les amis. Et c'est la constance. Allons-y d'abord dans les psaumes. Les psaumes sont un livre ou est un livre hautement mystique. On peut diviser les psaumes en plusieurs parties selon que je vous l'ai dit la dernière fois. Dans les psaumes, on retrouve plusieurs chants et plusieurs types de prières. Les psaumes peuvent être orienté dans plusieurs sens. Par exemple, dans les psaumes, on retrouve plusieurs prières. Il y a des prières de protection, il y a des psaumes de protection, il y a des psaumes de guérison, il y a des psaumes de puissance, il y a des psaumes de combat. Oui, il y a plusieurs types et plusieurs genres de psaumes. Je vais vous donner certains textes. Il y a des psaumes, par exemple, même pour le mariage. Il y a des psaumes pour activer la bénédiction ou la faveur, si vous voulez. Il y a des psaumes pour les finances. Là, quelqu'un s'attend à ce que je cite les psaumes. Je ne veux pas citer. Allez-y, lis les psaumes. Je vous donne, par exemple, psaume de protection. Un psaume peut être utilisé selon un contexte. Le psaume que moi j'utilise dans un contexte, une autre personne peut l'utiliser dans un autre contexte, le même psaume. Tout dépend de la révélation que tu as du psaume. Un. Deuxièmement, tout dépend aussi de, on va dire ça comment, la constance que tu aimes. Et ça ne veut pas dire, quand je te donne le psaume, que tu dois lire tous les psaumes, non. Parfois, c'est juste un verset sur lequel tu t'appuies, tu médites. Quand je parle de méditation, vous êtes censé comprendre déjà de quoi je parle. Tu médites ce psaume, tu le répètes jusqu'à ce qu'il s'implémente en toi, jusqu'à ce que tu entres dans un état de méditation. Parce que la méditation est un état. Elle commence par un moment, mais dans le but de découler sur un état de méditation. De telle sorte que même quand tu seras en train de marcher, en train de faire des activités, ce sera à fond en toi. Écoutez, il y a, par exemple, un psaume de protection. Prenons un exemple. Je suis dans le psaume. Psaume 141, par exemple.
Psaume 141. 41. C'est un psaume de protection. Je vous ai enseigné, je vous ai dit, les psaumes, comme les prières de la Bible, la plupart, qui ont été exaucées par Dieu, détiennent une énergie. N'oubliez pas ça. Les psaumes sont les paroles que Dieu a mises dans un homme. On appelle David, Asaph, Corée, Salomon, et j'en passe. Ce sont les paroles de Dieu dans la bouche d'un homme. Les amis, je vous parle des choses. Je vous parle des choses mystiques. La spiritualité, c'est la pratique constante de ces choses. Psaume 41, il est écrit, Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. I like it. Et mes mains tendues comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui me font le mal. Et que je ne prenne aucune part à leur festin. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas. Mais de nouveau, ma prière se lèvera contre leur méchanceté. Que leur juge soit précipité le long des rochers. Et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Comme quand on laboure et qu'on fend la terre. Ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. C'est vers toi, Éternel, Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. Ne m'abandonne pas. N'abandonne pas mon âme. Garantis-moi du piège qu'ils me tendent et des embûches de ceux qui font le mal. Que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps. Et que j'échappe en même temps. C'est un psaume très puissant. C'est un psaume de protection. C'est un psaume de protection. Et le contexte même est extraordinaire. Donc, ce psaume-là, tu peux le prier chaque jour, chaque matin à ton réveil. Tu le pries. Tu le pries. Au début, tu le pries avec la Bible. Jusqu'à ce qu'il rentre dans ton esprit. Quand tu vas le maîtriser, tu laisses la Bible, tu le répètes. À un moment donné, tu vas sentir qu'il y a des choses qui se dégagent. Je vous parle de la puissance des psaumes. Et prochainement, je vais vous parler de la numérologie. La symbolique. Pourquoi répéter ça 7 fois? Pourquoi répéter ça 77 fois? Pourquoi 13 fois? Le chiffre 13 est un chiffre hautement mystique. Pourquoi 12 fois? En fonction de l'intention. Oui, on ne répète pas juste, bon, 3 fois, c'est tout. Quel est le mystère caché derrière 3? Tout est mystique. Dieu, en Dieu, il n'y a pas de hasard. Tout s'explique. Le monde spirituel en Christ, c'est la science exacte. On explique tout. Si Dieu te dit, tape 7 fois, tu tapes 7 fois. Si tu tapes plus, tu as désobéi. Tu tapes moins, tu as désobéi. Et tu as des conséquences. Dieu a dit à Moïse, va par le rocher. Lui, il part, il frappe le rocher. Dieu a dit à Moïse, comme tu as fait ça, tu ne vas pas entrer à Canaan. Moïse, il a fendu la mer. Moïse, il a parlé comme ça, la terre s'est ouverte. Elle a avalé les gens. Après, c'est refermé. Moïse, Dieu a dit, tu n'entres pas à Canaan. Il n'est pas rentré à Canaan. C'est l'obéissance qui est importante. Et nous parlerons de ça. Donc, le psaume 141, c'est un psaume de protection. 142 aussi. 143 aussi. 140 aussi. Il y a beaucoup de psaumes comme ça. De protection. Est-ce que quelqu'un apprend? Est-ce que tu apprends quelque chose? Amen.
Amen. Il y a des psaumes de guérison. Tu es malade, tu as prié comme tu connais là. Tu as tout fait, ça ne marche pas. Prends ta Bible, répète un psaume de guérison. Un psaume de guérison, c'est un psaume qui parle de la guérison, de la restauration. Et tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes. À un moment donné, tu vas le perquisitionner. Tu répètes. Pendant que tu marches, tu es en train d'aller à la douche. Il y a des douleurs, mais tu répètes. Ouh! Tu es en train de préparer. Il y a des douleurs ici, tu répètes. Et plus tu répètes, ça s'incrémente dans ton esprit. À tel point que même quand tu dors, il y a des gens ici, je ne sais pas si vous avez expérimenté. Quand tu lis trop la Bible, ou quand tu pries trop, même quand tu dors, tu as l'impression que ton esprit est en prière. Il m'est arrivé, à l'heure de la prière, de ne pas me lever de mon corps, mais je sens mon esprit en train de prier. À tel point que même parfois pendant que je dors, je suis profondément endormi, mais je parle en langue. Dans mon sommeil. Est-ce que je parle à des esprits ici? Pour ceux qui ont suivi Dr. Strange, je dois vous enseigner ITS. Pour ceux qui ont suivi Dr. Strange, il y a un moment là, quand il entre dans les pleines méditations, où il sort de son corps, pendant que son corps dort, son esprit est en train de méditer. La méditation est un état. C'est un état. Mets en commentaire, dis à ton voisin, la méditation. La méditation. C'est important. Et il y a beaucoup de psaumes que vous trouverez à l'intérieur. Je ne pourrai pas tout citer. Psaume exemple contre guérison ou protection. Il y a psaume 41, 91, 27, 30, 35, 67. Il y a beaucoup de psaumes. Lisez les psaumes et vous allez comprendre. Il y a le psaume 103 pour la puissance ou la guérison. 64, 46. Il y a des psaumes qui se répètent. Il y a des combats spirituels. Le psaume 12, 20, 36, 62, 27, 54. Il y a beaucoup de psaumes. Il y a beaucoup de psaumes que vous trouverez. Psaume pour les finances. 112. 1, 3. 115, 145. 118. La bénédiction, 24, 23, 1, 18, 121, 123. Je vous cite ces textes pour qu'ils s'imprègnent en vous quand vous allez les réciter et vous allez commencer à expérimenter. Je vous donne un exercice. Prenez un texte, exercice spirituel, et je finis ici. Prenez un texte, un psaume, peu importe lequel, qui parle d'une thématique particulière que vous désirez. Allumez votre chandelier pendant 10 à 30 minutes, minimum 10 minutes. Vous prenez le psaume, vous arrêtez les lumières quand il est 18 heures ou 24 heures. Ou 3 heures, 18 heures, ou 24 heures, 3 heures. Vous arrêtez les lumières, vous répétez ce psaume avec la lumière de votre chandelier. Vous vous mettez à genoux et vous répétez ce psaume 7 fois, ou 17 fois, ou 27 fois, un chiffre qui a 7, avec
la lumière de votre chandelier dans la pleine conscience et vous, vous levez, vous me direz après l'expérience. Allez-y faire. C'est un exercice spirituel. Vous me direz après. Si c'est un psaume qui parle de protection, vous verrez. Si c'est un psaume qui parle des finances, vous me direz l'aura que vous allez ressentir. Peu importe le contexte du psaume, vous allez forcément expérimenter quelque chose à travers ce contexte. Je vous donne ici des exercices spirituels. Et ces exercices-là, ou ces enseignements, ont pour but de vous emmener à réussir durant l'année 2023. Tu vois, ma fille Cécilia, là où tu as Samuel, là, vous qui avez les enfants, vous pouvez tracer la destinée des enfants. Donc, c'est-à-dire, quand vous remarquez qu'un enfant adopte des attitudes ou des comportements qui ne vous plaisent pas, taper, c'est bien. Alors, moi, je suis de ceux-là qui frappent. Hein. Tu tapes bien. Il n'y a pas que ça. La Bible dit que la verge ne s'éloigne pas de... Hein? Donc, il faut taper. C'est biblique. Mais ne tue pas, ne blesse pas. Tape seulement. Mais il n'y a pas que taper. Il y a parler. Mais il n'y a pas que parler. Il y a des enfants dont la têtutesse n'est pas normale. C'est des esprits. Oui. Un enfant qui a l'audace de répondre à son père... Ça, c'est plus normal. Ça nous arrive. Mais quand je dis répondre, c'est répondre d'une manière très mal placée, qui manque de respect. C'est plus normal. Il y a d'autres qui ont atteint un autre degré. Ceux-là qui frappent leurs parents, c'est plus normal. Là-bas, ils ont atteint un degré supérieur. Le genre là, pour le corriger, vous allez voir un autre genre. Ce sont des voleurs professionnels. On le tape, on l'amène en prison, on le tape. Il dort, la PJ vient le prendre, on le frappe, mais il répète toujours, il vole toujours. Lui là, frapper ne va rien résoudre. Il faut être. J'ai envie de vous dire quelque chose. Ça pourra choquer. Est-ce qu'on peut vérifier? Est-ce qu'il y a des gens sur Facebook? S'il n'y en a pas assez, ou si cette personne peut venir sur Zoom, je vais éteindre le live Facebook. Si on peut m'aider rapidement, pour ceux-là qui peuvent, vérifier s'il y a des gens sur Facebook, s'il n'y a pas assez. Il n'y a personne sur Facebook, papa. Je viens juste de me connecter et je suis la seule là-bas. D'accord. Pour vous qui allez regarder après sur YouTube, que Dieu vous bénisse et bonne soirée.